On se retrouve pour la suite de Survivor, Legacy of Kain. Enfin, j'étais absent parce que j'étais occupé de mon côté. Donc, ça a mis un peu de temps avant de recontinuer à jouer. Je vais lancer la partie. J'enregistre là? Ouais. J'ai eu des idées de let's play, mais je pense que... Je pense que je vais faire Final Fantasy VII Réunion quand il va sortir. Je l'ai acheté. Mais je sais pas quand je vais recevoir la clé. Le soir ou le matin. J'espère que je vais le recevoir le jour même, le 13, pour faire un let's play directement. J'espère en tout cas. Putain, il y a quelque chose. Ah, c'est là. Ah, il est mort avant. Saloperie. Putain, il balèze. Pas du tout ce qu'il faut faire. C'est étrange de voir cet endroit longtemps avant ma naissance, des siècles avant que la corruption n'empoisonne la terre et me pose sur la voie de la trahison que je suis encore. Dans le futur, ces édifices seront condamnés aux ténèbres et à la déchéance. Je provoquerai leur chute et je construirai mon empire sur leurs ruines. Était-il encore possible qu'avec une bonne connaissance et les gestes appropriés, je puisse voir un jour Nosgoth restauré et les colonnes baignées à nouveau dans la pureté? Ma réponse, selon Moebius, était quelque part à l'ouest de ce lieu. Je pourrais peut-être restaurer le monde, mais je ne pourrais jamais rendre à Nosgoth son innocence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Thank you.
Putain. Saloperie. Putain, faut les dégager, mais comment? Pas par là. Putain, faire chier longtemps. Ah, par là. Non, pas par là. Ah, voilà. Putain, il faut les esquiver. Faut pas qu'ils nous attaquent. Ça va être chaud, on peut pas envoyer la télékinésie.
Ah voilà. C'est simple. Putain, merde. Allez. Il va lancer. J'ai pas ouvert la porte de l'autre côté, en tout cas, je sais pas comment on fallait faire. En fait, avec les deux chandeliers là, les deux torches, mon chemin, enfin les chandeliers, se ouais. Termine ici. Ne m'offrant que cette vue déserte. Était-ce encore une des plaisanteries de Moebius? Ou une énigme que je n'avais pas encore décryptée? Une énigme. Ce symbole me semblait familier. Il fallait peut-être que je retrouve un autre fragment du symbole d'équilibre avant d'aller plus loin. Putain, c'est quoi cette merde? Non, je vais retourner.
saloperie. Allez, crève. C'est nul qu'il demande de faire ça, de retourner. Bien ceux qui demandent de retourner. Thank you.
Putain. Voir là. Putain, fait chier. Oui, je vais sauter sur le centre. Je vais essayer. Non. Ah, voilà. Fragment du symbole d'équilibre, cette fois marqué du pouvoir des dimensions. Il me révélerait peut-être le mystère qui planait à l'ouest des colonnes, si Moebius avait dit la vérité, et s'il y avait véritablement quelque chose là-bas. C'est pas avec ce perso là qu'il faut aller là. Je pense pas en tout cas. J'ai essayé. Ça peut-être l'arme. Thank you.
Putain. C'est crazy. Allez, c'est le prix. J'espère qu'il y a plus d'ennemis là. Putain. Putain, c'est quoi cette saloperie? Oh!
Putain, encore tout ça. Télékinésie. Pas sûr que c'est là que je vais aller, il y a une barrière. Mettre un blind ennemi pour faire durer le temps, c'est chiant. Un gros spawn en fait. On refait le passage une deuxième fois et ils sont encore là. Il y en a encore des nouveaux. Putain, il y a un mur qui bloque. Meurs, vampire. La brume qui enveloppait le lac se dissipa comme par miracle, révélant à mes yeux une ancienne citadelle. Ainsi, Moebius n'avait pas menti. Mais c'était peut-être encore une illusion du gardien du temps, destinée à me ralentir dans ma véritable entreprise. Alors.
Les chasseurs de vampires, pourtant téméraires, avaient peur d'emprunter ces chemins. Je savais qu'un esprit hantait ces lieux. Peut-être y en avait-il d'autres. Or, s'il n'y a rien sous l'eau. C'est clair. Putain, c'est chier. C'est quoi ça? On a jamais eu celui-là. On voit que dalle. J'aurais sûrement pu allumer ces appliques fumantes, si seulement j'avais eu du feu. Il y a du feu là. Thank you.
Voilà. Moi qui voulais percer le mystère de ma destinée,
je découvris dans cette image un premier indice. Car cette scène dépeignait celui qui avait forgé la River, l'arme qui allait devenir ma prison. Et je le reconnaissais. Les années l'avaient changé, mais c'était sans aucun doute le vampire Vorador. Et à cette époque, il vivait encore. Si je pouvais arriver jusqu'à lui avant les serviteurs de Moebius qui le traquaient, il me fournirait les réponses que je cherchais. Ces images dépeignaient la création de Vorador. Comme je le savais déjà, il n'était pas né vampire, mais avait été converti par l'ignoble Janos Odrom. Mais d'après cette fresque, les origines de Vorador avaient une grande importance. Apparemment, il fut le premier humain à recevoir le don obscur des vampires. C'était le pari désespéré des vampires pour préserver leur lignée, car leurs ennemis les avaient non seulement condamnés à une soif de sang éternelle, mais aussi à la stérilité. Bon voilà, je vais arrêter là et je vais reprendre la prochaine fois. Demain j'aurai le temps, je fais rien, je travaille pas ni rien. Donc je ferai demain quoi. Enfin je travaillais. Enfin ouais bon. Au revoir, merci. Je vais couper.